in remembrance of Baba, taking everyone's love remembrances. Dans le souvenir de Baba, apportant le souvenir et l'amour de chacun, Baba m'a attiré dans le monde subtil. Baba donnait le drishti. Very light and of belonging. Et tout le monde se sentait si léger et avait ce sentiment d'appartenance. Il y avait beaucoup ce sentiment. Il y avait beaucoup d'amour. Et dans ce drishti d'amour et qui élève, je dis, Baba, je t'ai apporté Bhog. Au nom d'Avyakti Pariva, il y a beaucoup d'âmes aussi qui ont offert Bhog à Baba aujourd'hui. Baba l'a accepté avec beaucoup d'amour. Il a dit, de quelle façon est-ce que vous regardez Baba, dans le sens, quelle est la relation en ce moment-ci que vous avez avec Baba? J'ai dit, je ressens que j'ai besoin du guide dans ma vie, parce que ce n'est pas que je dois regarder personne d'autre, mais j'aime ton rôle en tant que guide, Baba a dit. Chacun de vous aussi devriez penser que je suis le guide. Donc, pensez aux trois qualités d'un bon guide. Donc, la première chose, c'est que le guide doit connaître le chemin. Parce que si le guide ne connaît pas le chemin ou qu'il reste pris quelque part, d'autres vont rester pris aussi. Premièrement, c'est le guide. Et deuxièmement, Baba dit, c'est que le guide doit suivre le guide suprême. Où est-ce que Baba nous amène? Alors, plus je suis le guide, je serai un bon guide. De la même manière, je serai un bon guide si je suis le bon guide. Et la troisième chose, c'est que Baba dit que le guide est celui qui protège. Généralement, ce sont les gardes qui protègent, mais le guide aussi, sa tâche, c'est d'amener tous les pèlerins et de les protéger s'il y a de la protection et demander pendant ce voyage, ce pèlerinage. Baba dit, il y a deux choses. L'une, c'est quel est le message de Baba? Qu'est-ce que Baba nous dit? Et deuxièmement, quelle est la directive de Baba, la direction de Baba? C'est très beau en hindi. Sandesh et Hadesh en hindi. C'est comme, c'est le message de Baba. Baba dit, lorsque vous étudiez ou que vous voulez focusser sur votre but dans la vie, juste réviser regardez le message et les points de dharana que Baba nous donne. Il nous donne des exercices, des pratiques. Ce sont comme des directives de Baba. Cela veut dire que l'intellect doit suivre tout cela. Et en ce moment, Baba dit, parce que c'est le sommet de tout, du désappointement, du manque d'espoir. Tout manque dans la vie, il n'y a pas d'accomplissement. Et lorsque quelque chose manque, Baba dit, alors les choses qui sont mauvaises émergent intérieurement. Quelques jours, vous vous sentez un peu vide ou faible. Donc, votre intellect et votre esprit erre. Donc, nous devons nous garder tout à fait remplis. Remplis avec quoi? Toujours penser que Baba, que la lumière de Baba est sur moi. La lumière de Baba est sur moi et Baba me donne le pouvoir. Baba, la lumière de Baba est sur moi et il me donne du pouvoir.
Et c'est de cette façon que vous pouvez demeurer avec Baba et vous serez, vous ressentirez constamment son aide, sa coopération et aussi la compagnie de Baba. C'est très important parce que si vous ressentez la compagnie de Baba, vous allez rendre les autres capables de ressentir la compagnie de Baba aussi. Alors, Baba donnait de bonnes directives, le drishti. Et à la fin, Baba a donné son amour, son souvenir pour chacun de vous. Om Shanti. Les versions élevées de Bab Dada créent une vague d'enthousiasme. Les versions élevées de Bab Dada. C'est un extrait du Merlis du 17 novembre 1994. D'avoir fait le donneur de fortune vous appartenir, c'est d'avoir atteint la bonne fortune. Vous avez atteint un droit à la fortune, pardon. Faire en sorte que le donneur de fortune vous appartienne signifie obtenir un droit à la fortune. Ceux qui ont cette ivresse font constamment l'expérience. Si la fortune ne m'appartient pas, à qui d'autre appartiendrait-elle? Puisque ils ont cette foi, parce que puisque le meilleur, le donneur de la fortune m'appartient, alors avez-vous cette ivresse où quelquefois elles augmentent et d'autres fois elles diminuent? En ce temps de l'âge de confluence qui est très court, est-ce qu'il y en a beaucoup qui restent et que la majorité d'entre vous sont nouveaux? Vous avez reçu si peu de temps. Cependant, dans ce drama, Bab Dada A, et particulièrement à l'âge de confluence, c'est que cette particularité, c'est que vous soyez ancien ou nouveau, c'est que même les nouveaux ont reçu une chance en or de revendiquer un numéro en avant. Et les nouveaux ont reçu la chance de revendiquer un numéro en avant. Les nouveaux ont-ils autant d'enthousiasme ou bien pensez-vous? Non, il y en a beaucoup de gens qui sont devant moi. Nous venons juste d'arriver, non. Baba dit non, vous avez toute liberté. Vous pouvez progresser autant que vous le souhaitez. Donc, vous pouvez progresser autant que vous le souhaitez. Il vous suffit d'être attentif à votre pratique. Il suffit d'être attentif à votre pratique. Il y en a des plus anciens qui deviennent donc lorsque est-ce que vous allez réclamer le deuxième rang, le premier? Pas le premier numéro, mais la première division.
Om Shanti. Maintenant, faites le service avec votre niveau d'esprit élevé et votre attitude subtile. Les enfants de l'océan de pardon. Vous êtes les enfants de l'océan de pardon. Alors, pardonnez aux âmes qui sont sous une autre influence. Par votre attitude pure, créez une atmosphère telle que quiconque se présente à vous reçoive l'amour et la coopération et fasse l'expérience du pardon, du courage, du zèle et de l'enthousiasme. Om Shanti. Shanti, bienvenue à Adyati Parivar aujourd'hui. C'est le jour 4. Maintenant, faites du service avec votre esprit élevé et votre attitude subtile. Les enfants de l'océan de pardon, maintenant, nous allons entendre le Mohini Didi. Om Shanti. Om Shanti. Joyeux Sadhguru. Bonsoir à tous. Vous êtes tous avec le Sadhguru Baba. C'est une très belle relation, celle du Guru et du dévot. Beaucoup me disent je peux bien identifier la relation du père, du professeur, mais pas du gourou. Il y a le gourou et... Because guru takes responsibility that I have to teach the follower. Parce que cette relation est proche parce que le gourou prend la responsabilité et ses dévots suivent, ressentent qu'ils doivent suivre. Le gourou. J'ai eu l'expérience des gourous parce que lorsque j'étais jeune, à notre maison, parce que à la maison, mes parents invitaient différents gourous d'une fois de temps en temps et ensuite ils nous amenaient aussi à Haridwar et à d'autres ashrams. Je peux me souvenir de quelques-uns, mais pas de tous. Un gourou à Delhi donnait vraiment de belles conférences. Il était de l'ashram de Vivekananda et j'ai beaucoup aimé ses conférences, donc j'y allais, j'aimais cela. Donc ce rôle de gourou, d'enseigner est très bon. Mais non pas lorsque vous devez toucher les pieds, laver les pieds et boire l'eau, non, je n'ai jamais pu faire ça. Je n'ai jamais pu faire ça. Parce que c'est vraiment d'adorer les éléments. Respecter, se courber, c'est OK. Une des significations du pardon, c'est de vivre pour donner. Parce que si vous vivez pour donner, alors vous vous sentez bien avec tout. Parce que tout ce qui manque dans une personne, je dois partager, je dois donner. De la manière locale aussi, si vous regardez quelqu'un qui n'a pas assez de nourriture ou de vêtements, qu'est-ce que vous faites? Vous donnez.
Nous ne faisons pas que remarquer et en parler. C'est très intéressant, c'est très profond que ce que les âmes n'ont pas, que quelle que soit l'âme, qu'il lui manque quelque chose, je dois donner. Et donner n'est pas nécessairement enseigner à travers les paroles. Ce pourrait être à travers nos bons sentiments, nos bonnes vibrations, notre sourire radieux, plaisant, elle dit, un sourire plaisant. Parce que l'esprit est un bon communicateur et aussi je me souviens lorsque nous disions Om Shanti, nous préparions juste de sourire, d'être dans le souvenir de Baba et ensuite nous disions Om Shanti ou juste dire je suis une âme paisible, vraiment profondément à l'intérieur, je suis une âme paisible. Et de là, les vibrations de paix vont aider l'âme. Notre devoir est celui de donner en ayant des pensées élevées à travers votre attitude et vos vibrations. Et ce don, as I said, one is okay. You give teachings, you say things, but other. Ce n'est pas que à quelqu'un vous donnez des enseignements et à l'autre d'être un bon exemple. Les situations viennent, mais quel était votre niveau à ce moment-là? Est-ce que vous avez blâmé la situation? Est-ce que vous avez parlé de la situation? Or, vous avez utilisé la bonne méthode, la méthode juste, et vous avez résolu cette situation de bonne façon. Baba dit, chacun fait des erreurs, mais vous ne devez jamais vous fâcher, vous ne devriez jamais vous fâcher parce qu'à ce moment-là, l'âme est sous influence, une quelconque influence. Plusieurs fois, nous avons dit quelque chose, fait quelque chose, même si ce n'était pas bien, mais vous l'avez dit et vous ne savez pas, un jour, vous pouvez peut-être commencer à le faire. Vous avez entendu les mots que quelqu'un a dit, vous ne l'avez pas aimé cela. Et donc vous n'avez pas fait attention et plus tard, vous commencez à dire les mêmes mots. C'est très subtil. Je pense que l'âme est très sensible, l'âme a tous des pouvoirs, et un des pouvoirs, c'est d'absorber, de tout absorber. Et c'est pour cela que c'est très important pour nous. Baba utilise deux mots, l'attention et la pratique. Si je porte attention et que je pratique, et si j'ai réglé avec moi-même de ce que l'âme a besoin, alors les autres vont avoir une belle expérience lorsqu'ils viennent devant moi. Et une de leurs expériences, c'est l'amour. Donc, chacun devrait ressentir l'amour. Parce que l'amour, en fait, peut régler les problèmes ou les difficultés que cette âme fait face. Parce qu'il y a tant, dans l'amour, il y a tant de miséricorde, de sentiments, de vouloir aider. Mais ils devraient aussi ressentir la coopération. C'est très intéressant. Ils devraient ressentir l'amour, ils devraient ressentir la coopération et aussi que je ne regarde
par les faiblesses des autres, les erreurs des autres. Parce qu'une de nos tâches qui est importante, c'est d'encourager tout le monde, de leur donner du courage. Nous pouvons le faire, nous pouvons le gérer, c'est possible. Nous pouvons tout faire, rien n'est impossible, c'est facile. Frère est venu de Madhuban, il a aidé dans la cuisine à Peace Village et chaque fois, je lui disais, il y a tant de choses à cuisiner. Et à chaque fois, il disait, c'est facile. Lorsqu'il le dit, vous vous sentez bien, que vous ne donnez pas trop de travail, or que c'est trop gros. Donc, parce qu'il faisait beaucoup de nourriture lorsqu'il y avait des retraites. Il disait, c'est facile. Alors, comment est-ce que les autres sentent cela? Ils ressentent le courage. Comment est-ce que je peux créer cette sorte d'atmosphère afin que chacun ressente plus de courage, et aussi d'augmenter le pourcentage de l'enthousiasme. Parce que lorsque l'enthousiasme descend, tout a l'air, non pas seulement difficile, mais ben, beaucoup de questions qui émergent. Mais lorsqu'il y a l'enthousiasme, nous ne faisons que voler. Et lorsque nous volons, nous ne voyons pas les petites choses, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que Baba dit toujours le niveau volant? Il y a une raison pour laquelle Baba dit le niveau volant, parce que nous ne voyons pas les petites choses. Autrement, pendant toute la journée, il y a tant de scènes du drama. Imaginez à chaque minute, quelqu'un agit, une autre scène du drama. Il y a là beaucoup, beaucoup de scènes, beaucoup de choses peuvent arriver autour de nous. Alors, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que je prends, c'est vraiment ma responsabilité. Peut-être que vous ne devriez pas voir beaucoup de choses parce que sinon, elles vont s'accumuler aussi. Là, j'aime beaucoup lorsque Baba dit juste de porter attention et gardez-vous occupé dans votre pratique. C'est pour cela que nous prenons un devoir pour toute la journée, afin que nous puissions le pratiquer. En fait, c'est vraiment, pour moi, je trouve ça très important d'avoir ces signaux avirectes, les devoirs. Autrement, l'intellect est tellement rempli de tout le reste, avec les actions des autres, les sanskars des autres. Et nous savons qu'ils sont là, que c'est le rôle de chacun, c'est drama. Alors, rappelez-vous que je dois vivre pour donner. Om Shanti. Alors, c'est Shereen Bell qui vient se joindre. Om Shanti à tout le monde. Alors, le message de Bold. Baba, c'était tellement agréable. Je voudrais un peu plus de détails là-dessus. Alors, lorsque nous disons les directives et les messages, disons si nous avons quelque chose comme le pardon. Quelle serait la directive et quel serait le message? Moini dit, c'est juste de pardonner. La directive, c'est de le faire. Parce que ce n'est pas seulement que je dis, OK, je pardonne, mais qu'est-ce que vous avez fait par la suite? Quelle est la directive? Cela veut dire mon sourire, ma conversation, mon amour. Tout devrait rester pareil, non pas regarder comme l'autre en disant « elle a fait ceci ». Parce qu'il y a des ans que je pense que chacun de nous faisons des petites erreurs, mais ne pas garder ces erreurs
et ensuite avoir un drishti basé sur cette erreur. Celle-ci est comme cela. Ce drishti envers l'autre n'est pas bon. Cela veut dire que vous n'avez pas pardonné. C'est pour cela qu'ils disent toujours « forgiven » pour donner. Nous utilisons aussi les deux mots en anglais « forgive » et « forget », ça veut dire « pardonner » et « oublier ». Si vous ne l'écrivez pas, donc on dit que si nous ne l'écrivons pas à l'intérieur de nous, nous n'aurons pas à l'effacer. Cela veut dire que si nous l'avons écrit, les sanskars retiennent ces erreurs. Donc, je continue de regarder Shiv Baba, Brahma Baba, Nudadi. Comment ils restent tellement propres, cela veut dire qu'ils n'ont pas rien pris. Si vous le prenez, donc, vous devez l'effacer. Encore une fois, nous devons rester des observateurs détachés. Je pensais aussi que beaucoup de gens, même s'ils regardent un film, ça dépend quelle scène. Ça dépend du siège, s'ils veulent s'asseoir en avant, en arrière, ou ça dépend combien d'argent ils ont. Alors, je me suis dit, bien, quel niveau devrais-je garder? Quel siège? En fait, si nous pratiquons, nous sommes dans ce niveau et vous regardez le drama. Si vous ne faites que regarder le drama dans un niveau ordinaire, alors c'est vraiment le drama. Et dans le drama, il y a des traumas aussi. Pourquoi ceci, cela ne devrait pas arriver? Je pensais que tant de choses arrivent pendant la journée, n'est-ce pas? Alors, de ne pas les prendre. Oui, bien sûr, nous jouons notre rôle, mais cela peut arriver seulement si je porte attention, si j'ai la pratique et que je pense à ces deux mots et voir comment cela fonctionne à l'intérieur de moi. Sharine dit oui, elle dit bien sûr que nous devrions porter attention et ne pas absorber tout cela parce que si nous absorbons tout, nous avons des traumas. Comment est-ce que tu pourrais nous guider dans un ou deux pas? De quelle façon je peux devenir un observateur détaché? Si tu peux nous guider dans un ou deux pas à faire. Moni dit, c'est que chacun a un rôle différent, donc il joue le rôle. Moni dit, alors je dois jouer mon rôle aussi. Lorsque vous regardez les autres, ils jouent leur rôle. Et je pratique ceci, peut-être que je pratique quelque chose, peut-être le niveau sans corps ou le niveau de conscience d'âme. Baba nous a donné quelques pratiques dans l'intellect. Et lorsque je le fais, ça ne reste pas avec moi. Ce que je veux dire, c'est que ce film est terminé. Cette scène est terminée. Mais si vous allez voir un film ou un drama ou quel que soit, vous ne l'oubliez pas. Vous vous en souvenez et c'est pratiquement vivre le drama. Mais si vous ne prenez aucun sentiment de ce qui se passe dans le sens... Oui, je dois y penser encore plus. Sharine dit, je voudrais te demander quelque chose sur Brahma Baba. Dans le Nuli, ça dit qu'il a eu beaucoup de gourous. Est-ce que Brahma Baba a déjà parlé de ses gourous? Parce que dans le livre, ça dit qu'il y avait eu beaucoup de gourous. Moini dit, c'était si normal en Inde que je ne sais pas maintenant. Donc, il y a plusieurs gourous. Et c'est l'enseignement en famille, donner beaucoup d'offrandes.
C'est comme une personne sainte à la maison. Donc, il ressent que cet endroit va devenir saint, que la famille va avoir des bénédictions. C'est ce qu'ils s'attendent à avoir, mais tous les gourous sont différents. Il y en a qui veulent vraiment se faire adorer. D'autres ne font que donner de bonnes lectures, de bonnes expériences, de bonnes conférences. Ils ne s'attendent à rien d'autre. Ils disent qu'ils veulent vraiment s'asseoir sur un siège particulier parce qu'il y a beaucoup de gourous à Bandoban qui viennent. Il y en a qui transportent leurs adeptes, transportent leur tronc d'un endroit à l'autre. C'est différent et récemment, beaucoup de gourous sont venus à Shantivan et vous pouvez voir comment ils sont différents. Il y en a qui sont... Il y a un gourou qui s'est assis près de moi et il portait à peu près quelques kilos d'or sur lui. Alors, j'étais surprise et il a dit, c'est ce qu'il aime. C'est de porter de l'or tout le temps. Parce que l'or a beaucoup de valeur et j'étais surprise. Comment est-ce qu'il peut porter tant d'or sur lui-même? Et il aimait ça. Alors, chaque gourou est différent. Maureen, Sharon dit, donc les adeptes qui le suivent, est-ce qu'ils ressentent que ce n'est pas normal tout cela? Moïni dit, lorsqu'ils croient dans les gourous, ils veulent donner tout leur or. Il avait beaucoup d'adeptes. Donc, ce n'est pas qu'ils portent de tout l'or, mais ils demandent à leurs adeptes de leur donner de l'or. C'est différent. L'or est offert souvent parce que c'est considéré comme une grande valeur. Les idoles, aux idoles aussi, ils offrent de l'or. Chaque gourou. Alors, Sharon dit, c'est sûr que je suis certaine que tu as rencontré de bons gourous. Moïdi dit, elle dit, en fait, chacun des gourous dans leur genre différent sont tous respectables dans l'ashram de Vivekananda. Et chaque dimanche, il donnait des conférences. Et il était très intellectuel. Et tout ce qu'il expliquait, au moins, je pouvais vraiment m'identifier à cela. Donc, il y a des gourous qui sont très éduqués. Et ce qu'il pense, c'est à propos des Écritures. Mais celui-là était très simple, mais il était très qualifié. Il devrait y en avoir plusieurs comme cela. Alors, Sharon dit, j'ai encore quelques questions. Une des choses que tu disais, c'est à propos de de pardonner, de donner. Est-ce que tu penses que la meilleure façon de donner, c'est seulement des bons souhaits? Moni dit non, même des vertus. Cela veut dire que vous devez avoir plus de patience avec certaines personnes. Donc, cela veut dire donner de la patience. Donc, aider l'âme avec patience. Chacun. Nous devrions savoir, chacun d'entre nous, ce qu'ils ont besoin. Quelquefois, c'est de la coopération. Quelquefois, c'est de donner un coup de main. Et d'autres fois, c'est comme peut-être partager des vertus. Donc, avoir un sourire aimant aussi, c'est très nécessaire. Et de demeurer léger aussi. Si vous êtes léger, tout le monde va demeurer léger. Si je deviens lourde, tout le monde va devenir lourd. Baba dit, à travers les vibrations, de créer cette atmosphère.
c'est très, très puissant aussi. Donc, le service, c'est ce que nous pouvons faire constamment pendant toute la journée, de créer l'atmosphère. Alors, Sharine dit, alors, tu observais Brahma Baba, qu'est-ce que tu penses dans le temps que tu as passé avec Brahma Baba, si quelqu'un avait fait donne-moi un exemple que Brahma Baba a pardonné à quelqu'un. Mohini dit, oui, j'ai partagé. Quelquefois, Baba va parler à cette âme pour la faire réaliser, mais ensuite, si cette âme devenait un peu triste, il dit, oh non, je n'aurais pas dû faire cela. Alors, immédiatement, Baba dirait, est-ce qu'il y a des erreurs dans le drama? Cela veut dire laisser cette âme oublier cette erreur et avancer. C'est une très belle façon de penser, mais bon, parce que Baba dit, lorsque vous faites des erreurs, beaucoup d'autres sont connectés, ils ont des pensées perdues, donc c'est un fardeau sur toi, donc cette âme est devenue vraiment sérieuse. Et ensuite, Baba dit, mais est-ce qu'il peut y avoir des erreurs dans le drama? Donc, oublie tout cela. C'est une chose. Plusieurs fois, d'autres âmes aussi. Baba, ce qu'il faisait, c'est de donner de l'amour, de la lumière et du pouvoir. Demeurer aimant lorsque les gens faisaient des erreurs. Ne devenez pas comme... agissez pas avec force. Juste être aimant. Lorsque vous êtes aimant, au moins cette âme va vraiment se sortir de ce sentiment, mais aussi de la lumière et du pouvoir. Et c'est, entre autres mots, c'est le Mansa Seva. Nous devrions faire cela pour tous. Donc, Sharine répète l'amour, la lumière et du pouvoir. Premièrement, de l'amour, c'est parce que Mohini dit, sinon, ils n'accepteront pas votre lumière et votre pouvoir. Donc, l'amour, c'est en tout premier, dit Mohini. Sharine dit, j'aime ce que tu as dit à propos de Brahma Baba. Il disait quelque chose, mais ensuite, il disait aussi que cette erreur fait partie du drama. Et de le dire, Mohini ajoute de le dire de façon aimante. Mohini dit, ça a été agréable. Donc, ils vont annoncer les retraites. Nous aurons une retraite avec Vakti Parivara Peace Village. Je suis certaine que vous le savez tous, du 7 juillet. Et le départ, c'est le 10 juillet. Donc, vous voyez le lien pour vous enregistrer. Donc, vous pouvez scanner le code QR. Donc, on donne la priorité à ceux qui voyagent de loin. Donc, les Brahmins de New York, New Jersey, Connecticut et Albany seront capables de s'enregistrer seulement s'il y a de l'espace, de la place. Elle dit, la retraite sera fabuleuse. Nous planifions plusieurs choses. Alors, si vous pouvez venir, venez. Merci, Om Shanti. Om Shanti. Maintenant, faites du service avec votre esprit élevé et votre attitude subtile. Les enfants de l'océan de pardon. Vous êtes les enfants de l'océan de pardon. Alors, pardonnez aux âmes qui sont sous une autre influence. Par votre attitude pure, créez une atmosphère telle que quiconque se présente à vous reçoive l'amour et la coopération et fasse l'expérience du pardon, du courage, du zèle et de l'enthousiasme. Om Shanti.
Om Shanti avec le Périvers. Om Shanti, c'est Bhumika, alors qui nous a avec T-Journey, les Murli de 1969, qui nous inspire à changer de Brahmin en ange. Alors, expérimenter le pouvoir avec le pouvoir du silence, c'est un murli du 7 février 1970, ou le 2 juillet 1970. Expérimenter avec le pouvoir du silence. Quelle est la lumière qui se propage le plus loin? C'est celle d'un phare. Vous devez donc devenir un phare et un projecteur. Vous ne devez pas être une ampoule ordinaire. Seuls ceux qui se cherchent peuvent devenir un phare. Plus vous serez capable de vous chercher, plus vous deviendrez un phare. If you are not able to search yourself, si vous n'êtes pas capable de vous chercher, vous ne pourrez pas devenir un projecteur. Le moment est venu. Vous ne devez pas seulement être puissant, mais vous devez maintenant avoir de la volonté et une grande puissance. Willpower and wide power, that is. La volonté. C'est-à-dire que votre vision et votre attitude doivent être illimitées. Alors, qu'allez-vous ajouter? Vous avez de la puissance, mais vous avez maintenant besoin de volonté et d'une grande puissance. Sous quelle forme Bab Dada voit-il tous aujourd'hui comme des étoiles d'espoir? Pour l'instant, vous êtes des étoiles d'espoir. Et plus tard, vous deviendrez des étoiles de succès. Bab Dada voit donc les formes présentes et futures. Le succès est la guirlande autour de votre cou. Pouvez-vous voir la guirlande du succès autour de votre cou? Quelle décoration avez-vous à l'âge de la confluence? La guirlande du succès est autour du cou de chacun d'entre vous en fonction de votre capacité et de votre valeur. Bab Dada voit donc la décoration des enfants. Les enfants qui sont décorés sont très appréciés. Quelle est la pensée de Bab Dada à présent? Pouvez-vous saisir ce que Bab Dada va vous dire? Aujourd'hui, Baba vient pour vous permettre de faire l'exercice de l'intellect. Vous devez maintenant vous révéler sur le terrain du service. Il n'est plus temps de rester incognito. Plus vous vous révélerez, plus vous glorifierez Bab Dada. Êtes-vous en train de devenir des souverains du monde? En faisant des tournées illimitées? Comment appelleriez-vous quelqu'un qui reste assis au même endroit? Ceux qui se stabilisent en un seul endroit et continuent à servir à partir de là, sans faire le tour de l'illimité, recevront un royaume individuel dans l'avenir. Baba est également coopératif avec tout le monde. Ceux qui forgent une relation avec toutes les âmes du monde et coopèrent avec elles deviendront un roi du monde. Tout comme Bab Dada aime le monde entier et coopère avec tout le monde,
les enfants doivent suivre le Père de la même manière. Ce n'est qu'alors qu'ils pourront prétendre au statut d'empereur du monde. Le calcul de ce que vous recevez est équilibré par rapport à ce que vous donnez. Maintenant, vous devez faire une promesse et surtout vous révéler. Vous ne devez pas rendre les autres célèbres, mais vous devez révéler le Père. Quand le Père sera révélé, il deviendra alors célèbre. Vous avez gardé l'objectif de revendiquer le droit au monde, n'est-ce pas? Vous devez maintenant faire cet effort intense. Quel est le moyen très facile d'avoir un désintérêt illimité pour ce vieux monde? Quelques-uns ont donné leurs idées. Ceux d'entre vous qui ont dit quelque chose l'ont manifestement dit en pensant que c'était facile, n'est-ce pas? Si c'est facile, alors vous êtes facilement devenus ceux qui ont un désintérêt illimité. Si vous ne pouvez pas appliquer cela à vous-même, comment pouvez-vous l'appliquer aux autres? On parle de désintérêt illimité. Où vivent ceux qui ont le désintérêt? Baba vous donne un yukti très facile. Si vous souhaitez avoir un désintérêt limité, considérez-vous constamment comme étant une résidence de Madhuban. Cependant, vous ne devez pas avoir Madhuban en soi. Madhuban est toujours montré avec Madhusudan, le Seigneur Krishna. Ainsi, lorsque vous vous souvenez de Madhuban, vous vous souvenez également de Bhaktada, de la famille divine, du renoncement, de la tapasya et du service. Madhuban est aussi la terre de la tapasya. Madhuban vous permet de renoncer à tout en une seconde. Ici, vous êtes devenus ceux qui ont un désintérêt illimité. Madhuban est donc ce qui fait de vous un renonçant qui a du désintérêt. Ce n'est que lorsque vous avez un désintérêt illimité que vous pouvez faire du service illimité. Vous ne devez avoir d'attachement nulle part. Sans parler de l'attachement aux autres, vous ne devez pas non plus vous attacher à vous-même. Om Shanti. Om Shanti.